Bonjour mes petits féros. Donc aujourd'hui, l'hiver est terminé, il fait beau, il fait chaud. Certains m'ont demandé de refaire des vidéos commentées. Donc comme les conditions climatiques se sont améliorées, contrairement à cet hiver où il y avait un temps plus que déplorable, et ben, je vais vous refaire une vidéo commentée. A tous, bon visionnage. Aujourd'hui, je me situe à hauteur du passage à niveau PN51. Donc dans le département d'Eure-et-Loir, 28, sur la commune de Ouinville-Saint-Liphard. La particularité de ce passage à niveau, c'est que c'est un passage à niveau gardé à fonctionnement manuel. C'est-à-dire, dès qu'une voiture approche des barrières, un employé SNCF s'avance dans la véranda et actionne une manivelle pour déclencher l'ouverture des barrières. Le passage à niveau est situé entre les communes d'Angerville et de Toury. C'est le premier passage à niveau du PO, car il est situé sur la ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean, sur la partie PO, c'est-à-dire entre Paris et Orléans. Je vais vous faire visiter. De ce côté-ci, nous avons le côté nord de la ligne, direction Paris-Austerlitz, avec la commune à quelques kilomètres d'Angerville. Je vais zoomer. Donc vous voyez, c'est une belle ligne droite sur plusieurs kilomètres. Ce qui est assez pratique, ça permet d'éviter de se faire surprendre. En plus, sur ce passage à niveau, les trains sont annoncés au moins une minute à l'avance, vu la vitesse. De ce côté-ci, nous avons le côté sud de la ligne, avec la commune au fond de Toury. Je vais zoomer dessus. Pareil, situé à quelques kilomètres. Parce qu'on est à cet endroit, on est à cheval entre Toury et Angerville, à peu près à distance égale. Donc vous voyez la commune de Toury au fond là. Et là, la ligne qui est pareil dans la même configuration, une ligne droite assez longue. Donc un peu plus loin, il y a la gare de Toury. Ah, j'aime beaucoup ce lieu de spot car il est vraiment pratique, ça évite de se faire surprendre parce qu'on est averti au moins une bonne minute, comme je vous disais tout à l'heure, à l'avance. En plus, ce passage à niveau est vraiment situé dans un endroit calme. On est en pleine campagne, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là au fond, nous avons la Nationale 20, donc à 300 ou 400 mètres. Et puis la circulation est quand même assez faible. Il n'y a pas énormément de voitures qui empruntent le passage à niveau. Donc comme vous voyez sur le panneau, il ferme à 20h. De 22h à 6h. Bon, petite astuce si vous venez ici, pour savoir dans quelle direction vont venir les trains. Donc là nous avons les signaux des voies, donc qui passent au rouge lorsqu'un train est à l'approche. Le plus à gauche, le signal le plus à gauche, c'est pour les trains venant de Toury. Les deux du milieu sont pour la voie du milieu, suivant le sens, et celui de droite pour les trains venant de Paris-Austerlitz. Le signal vient de se déclencher, donc un train en direction du sud, à mon avis, c'est l'intercité Paris-Toulouse. Et ce que nous avons là, c'est un intercité, oui, à mon avis, c'est le Paris-Toulouse. BB26000, Carmillon en tête et une belle longueur d'intercité, je pense qu'il y a au moins 14 voitures. En général, les Paris-Toulouse sont assez longs.
Donc là, c'était l'Hispanoto. Chose curieuse, il était assuré en 26 000. D'habitude, il est en 27 000. Et il passe beaucoup plus tôt. Voici la barrière en détail, c'est de la bonne vieille mécanique, bien robuste, avec des poulies, des câbles et une bonne dose de graisse pour faire fonctionner le tout. Pareil pour la barrière du fond. Franchement, je suis étonné pour l'âge que ça doit avoir, le matériel est en parfait état de fonctionnement. Intercité Brive Paris-Austerlitz. Concernant les passages à niveau gardés à fonctionnement manuel, il n'y en a plus beaucoup dans le secteur autour de Paris. J'en connais un autre dans le 77 sur le PLM, sur la commune de Esmans. Et un autre sur la ligne de la Plaine à Herson, sur la commune de Ormoisvilliers. En général, ces passages à niveau sont situés sur des lignes où la circulation est importante, avec des vitesses assez élevées. Par exemple, sur ce passage à niveau, la vitesse est limitée à 200 km/h, donc c'est assez rapide. Je pense qu'un passage à niveau automatique standard ne serait pas suffisant au niveau sécurité. Le signal vient de se redéclencher. Cette fois-ci pour la voie la plus à droite. À mon avis, ça va être un fret ECR. Oui, c'est un fret ECR avec une Trax. C'est les combis Werker réguliers du PO. En provenance d'Allemagne, à direction du sud-ouest. Intercité Tours Paris-Austerlitz, BB 26 000 Carmillon en tête. Second fret ECR en approche. Donc à mon avis c'est un combi Werker ou le Rainette, ça dépend. Ça sert rien de plus pour un combi Werker. Il y en a régulièrement deux ou trois par après-midi sur le PO.
Merci au conducteur pour le coup de klaxon. Super sympa. Ah, nous avons un fret, c'est sûrement un Le Bourgeois Hourcade, vu l'heure. Ouais, je vais aborder le sujet sur le fret. Alors les réguliers sur le PO, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a les fret ECR, les combi-verkers. Donc ce que j'appelle le combi-verker, c'est les tracks en locomotive avec des wagons porte-conteneurs. En général, ça vient d'Allemagne et c'est en direction du sud-ouest de Bayonne, Irun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fret ECR? Il y a le Rhinet qu'on n'a pas encore vu, j'espère qu'il roule aujourd'hui. Mais je pense qu'il va pas rouler, sinon normalement il serait déjà passé. Qu'est-ce que nous avons d'autre en fret? Il y a les Colarail un peu plus tard. J'espère qu'on en aura un ce soir. Donc à destination des carrières de Saint-Varan. Il y en a plusieurs des Colarail. Il y en a un qui part de Bretigny, il y en a un qui part de Gennevilliers. Il y en a un qui part de Sucy, Bonneuil du port là. Donc il y en a plusieurs, mais ils roulent pas tous les jours, ça dépend, c'est aléatoire. Après en fret SNCF, il y a comme tout à l'heure on a eu le Bourget Hourcade, c'est un diffus ou non, ça dépend. Donc souvent avec des citernes et des wagons couverts, plats et bâchés, ça dépend, la composition est vraiment aléatoire. La semaine dernière par exemple j'ai eu des voitures voyageurs dessus, qui ont été acheminées sur le fret. Donc pour le Bourget Hourcade, c'est vraiment aléatoire la composition. Mais en général, c'est des wagons couverts et des wagons citernes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les Logistra, comme on a eu tout à l'heure. Donc BB 75 000 plus des Trémies. Donc ça va en direction des carrières de Thouars. On a du céréalier de temps en temps. Et bien sûr, des portes auto avec l'Hispanauto qu'on a eu la chance d'avoir tout à l'heure. Car il était très à la bourre, normalement il passe vers midi. Et moi je suis venu qu'à partir de 14h30. Donc il était vraiment à la bourre. Intercité Toulouse-Paris cette fois, on approche. Ah, nous avons un fret SNCF cette fois-ci. À mon avis derrière c'est des Trémies. Donc ça doit être un fret Logistra et Corail. À destination des carrières de Thouars, je pense. Suivi de près par un intercité qui va le doubler. Donc ça va être un intercité Paris-Austerlitz-Orléans cette fois. Assuré en 7200 béton. Ah, il est à peu près 17h10, vers ces heures-là, il y a énormément d'intercités, il y en a deux à la montée, trois à la descente, en l'espace de quelques minutes. Intercité Paris-Austerlitz-Orléans.
suivi de très près par un TER, Centre Val-de-Loire, Paris-Austerlitz, Orléans. En général, les TER Paris-Austerlitz-Orléans, ils circulent sur votre gauche comme ils font des arrêts en gare entre Paris et Orléans. Qu'est-ce que nous avons au fond? C'est vert, ça me plaît, c'est du fret SNCF. Ah, peut-être un céréalier, à voir. Frette Colarail, donc à destination des carrières de Saint-Varan, avec par contre une Euro 4000, donc ça c'est une location apparemment. Colarail loue des Euro 4000 à Europorte, il me semble. Parce que d'habitude c'est des G1206 en UM ou en US, ça dépend. Concernant le matériel voyageur circulant sur la ligne, donc pour les intercités, nous avons des locomotives BB 26000 pour la plupart, donc toutes livrées, Carmillon surtout, Fantôme, Béton, qu'est-ce que nous avons d'autre? En voyage et quelquefois, si on a de la chance, multiservice. Il y a aussi sur les intercités des BB 7200, donc pareil, toutes livrées confondues, mis à part les frettes et autres livrées. On peut avoir quelquefois de la 22200 aussi. Pour les TER Centre Val-de-Loire, en général c'est quasiment systématique, ce sont des BB 7200. Livrée fantôme, béton, en voyage. Mais en général c'est de la fantôme hein, sur les TER Centre Val-de-Loire. Une fois j'ai eu une infra, mais bon c'était exceptionnel. Voilà, c'est à peu près tout concernant le matériel voyageur, beaucoup de rames tractées. Pour les destinations des voyageurs, la plupart des intercités, ce sont des Paris-Orléans, ce sont les plus nombreux. Après, il y a des Paris-Toulouse, des Paris-Montluçon, Paris-Cahors, donc tout ce qui est à peu près à destination du sud-ouest et du centre de la France. Pour les TER, pour le TER Centre Val-de-Loire, ce sont uniquement des Paris, Austerlitz, Orléans. Donc ils font toutes les gares entre Étampes et Orléans. Un fret ECR, je crois, avec une traxe en tête.
Des porte-conteneurs. Concernant les circulations fret SNCF, on a été servi aujourd'hui également. Hein. Donc avec deux diffus, le Bourgeois Orcade et le diffus montant. Le céréalier on a eu aussi. Et également un porte-auto, donc l'Hispanauto qui était en retard. Non, franchement c'est vraiment une bonne journée fret aujourd'hui. Fin de session. Pour résumer la journée, franchement c'était une bonne journée, il y a eu de belles circulations fret, plus que d'habitude. Ça doit être dû au fait qu'on se situe entre deux grèves, donc à mon avis il y a eu un peu plus de trains afin de les faire circuler pendant que le réseau fonctionne. Concernant les frettes, on a eu les habituels ECR, il manque juste le Rhinet, un Colorail sympa avec une location Europort. Et puis pour les voyageurs habituels, Intercité et TER Centre-Val de Loire habituels. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois.